Bonjour à tous, and welcome to Learn French with Vincent. This is Unité 15, leçon E. And in this lesson, we'll see together les verbes et les prépositions, and it's the part number six. But then, the first thing that we should to, uh, see together are the keywords that I will use in this lesson. And the first one is quelqu'un, it means someone, somebody, quelque chose, something. quelque part, somewhere or someplace. Okay, and we'll see the first verb. And the first verb is enseigner. Okay, so let's start now. Enseigner quelque chose. So without any preposition here. Enseigner quelque chose à quelqu'un. Okay. Well, then you can use enseigner à, and then the verb that should be after uh, must be at the infinitive form. Okay. Enseigner comment Same thing here, you should put the verb at the infinitive form. Okay, and the last one, enseigner que. And then the verb should be at the indicative form. Be careful, it's not because it's introduced by que that it should be at the subjunctive. Because in that case, your verb should be at the indicative. Okay, so let's see them one more time. Enseigner quelque chose, enseigner quelque chose à quelqu'un. Enseigner A plus verbe à l'infinitif. Enseigner comment plus verbe à l'infinitif. Enseigner que plus verbe à l'indicatif. Verbe suivant. Entendre. Entendre quelqu'un, entendre quelque chose. Pas de préposition. Entendre quelqu'un plus verbe à l'infinitif entendre quelqu'un ou quelque chose qui and then the verb should be at the indicative form entendre que okay and in that case you've got two options whether indicatif or conditionnel and then the last one entendre ce que plus indicatif OK, so one more time. Entendre quelqu'un, entendre quelque chose. Entendre quelqu'un plus verbe à l'infinitif. Entendre quelqu'un, quelque chose. Qui plus verbe à l'indicatif. Entendre que plus verbe à l'indicatif ou verbe au conditionnel. Entendre ce que plus verbe à l'indicatif verbe suivant, entrer. entrer quelque part. so in that case, you can use many prepositions. i just brought three of them, but then it could be a, en, dans, etc. and then entrer quelque chose. Okay. entrer quelque part, a, en, dans, etc. entrer quelque chose. Verbe suivant, verbe envoyer, envoyer. Première structure, envoyer quelqu'un, envoyer quelque chose. Pas de préposition. Envoyer quelqu'un ou quelque chose quelque part. Okay. Envoyer quelqu'un ou quelque chose à quelqu'un. Envoyer plus infinitif. and the last one envoyer quelqu'un plus infinitif Ok, so let's see them one more time envoyer quelqu'un envoyer quelque chose envoyer quelqu'un ou quelque chose quelque part envoyer quelqu'un ou quelque chose à quelqu'un envoyer plus verbe à l'infinitif envoyer quelqu'un plus Verbe à l'infinitif. Verbe suivant, verbe espérer. Première structure, espérer quelque chose. Pas de préposition Espérer plus infinitif. Espérer que plus indicatif. D'accord Une fois. <laughs> Encore une fois, sorry about that. Espérer quelque chose, espérer plus infinitif, espérer que plus indicatif. Verbe suivant, essayer. Première structure, essayer quelque chose. Pas de préposition ici. Deuxième structure, essayer de plus infinitif. Essayer, essayer quelque chose, essayer de plus infinitif. Verbe suivant, verbe excuser. Première structure, excuser quelqu'un, excuser quelque chose, pas de préposition. Deuxième, excuser quelqu'un pour quelque chose. Troisième structure, excusez quelqu'un de quelque chose. Dernière structure, excusez de plus infinitif. Ok, so, excusez, excusez quelqu'un, excusez quelque chose, excusez quelqu'un pour quelque chose, excusez quelqu'un de quelque chose. Excuser de plus infinitif. Verbe suivant, verbe expliquer, expliquer, expliquer quelque chose, pas de préposition. Explique, sorry, expliquer quelque chose à quelqu'un. Expliquer comment plus infinitif. Oh, then it's also possible to use this expliquer comment plus verbal indicatif. expliquer ce que plus verbal indicatif. expliquer que plus verbal indicatif. or it's also possible to use the subjunctive form. okay. if you've got a doubt here. Whether you should use indicative or subjunctive, I've, I've been making some videos regarding the different of uses uh, concerning indicative and subjunctive, so you should definitely have a look at these videos. Okay, one more time: expliquer quelque chose, expliquer quelque chose à quelqu'un, expliquer comment plus infinitif, expliquer comment plus indicatif, expliquer ce que plus indicatif, expliquer que plus indicatif ou subjonctif Verbe suivant verbe falloir falloir Première structure falloir quelque chose so no preposition before Deuxième structure falloir quelque chose à quelqu'un Troisième structure falloir plus verbe à l'infinitif « Falloir quelque chose pour » plus verbe à l'infinitif. And last but not least, « falloir que » plus verbe au subjonctif. Ok, one more time. « Falloir quelque chose »« Falloir quelque chose à quelqu'un »« Falloir plus infinitif »« Falloir quelque chose pour » plus infinitif falloir que plus subjonctif verbe suivant verbe féliciter première structure féliciter quelqu'un pour quelque chose deuxième structure féliciter quelqu'un de quelque chose troisième structure féliciter quelqu'un de plus verbe à l'infinitif So, one more time, féliciter, féliciter quelqu'un pour quelque chose, féliciter quelqu'un de quelque chose, féliciter quelqu'un de, plus verbe à l'infinitif. If you want more videos, then youtube.com slash imagier, the channel is waiting for you. You can like me on Facebook, it's right here, and then the website is here, www.imagier.net. Au revoir et à bientôt